parce qu'elle a perdu à jamais son époux. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents. Et je pense que ça doit amener chacun à se rendre compte que ce jour arrivera pour lui aussi, tôt ou tard, et faire en sorte que vraiment tout ce que nous posons comme acte puisse aller dans le sens dans le bon sens. C'est notamment, comme il a dit, garantir des conditions de détention, et en tout cas, disons, humaines pour ceux qui sont en détention, respecter la présomption d'innocence et savoir que la prison ne doit pas être la règle. On ne peut pas comprendre que, on ne peut pas ne pas avoir une décision qui dit tel X. Et vous dites non, une deuxième, vous dites non, je refuse, je ne serai pas libéré. Une troisième convocation, ou bien une première fois, on dit on peut le faire soigner, vous dites non, vous vous opposez jusqu'à ce que mort intervienne, qui doivent ramener, donc, mêlés à des histoires. Après, vous voyez, décès de Lucien Camara est quand même de la politique. On est mort dans des exactement avec des faits établis. Qu'il y a d'acharnement. Et je disais, l'autre côté, on parle sur où la PC appelle les forces vives à unir leurs forces. Je pense des forces les parents pour dire venez prendre. Dont on ne parle pas. C'est Après, on voit le parti. ministre de la On Justice. a... triste, il va... C'est là-bas, dans cette affaire. La deuxième chose, on ne lui a pas tout signifié. Et même ça, mais surtout le souci.
Ground aussi grand. On a refusé que quelqu'un, on a refusé que les médecins avaient donné pour demander à ce qu'ils soient. Il y a tout le temps des décès à la à des personnes qui ont une certaine réputation, c'est pourquoi on en parle, sinon ça passe tout le temps. Donc moi je pense qu'il faut corriger cela, et surtout que la CRIEF a vocation de poursuivre les personnalités qui ont une, quand même une certaine prestance dans la société. Non, on va pas dire les personnalités, on va dire de poursuivre pour c'est vrai que pour être à mesure de détourner un milliard, il faut être à son poste. Si on parle de Luceni Camara aujourd'hui, c'est par rapport à son passé. C'est pas parce qu'elles sont de personnalité, mais parce qu'il y a l'argent de l'État. Je parle par rapport à leur passé. Ils ont été des personnalités de ce pays-là. Ils n'ont pas que du négatif dans l'ère passée. Trois fois ministre. Voilà, ils ont contribué d'une manière ou d'une autre quand même à relever ce pays. Donc il faut penser à tout cela. Et la CRIEF ne doit pas apparaître, au jeu de l'opinion comme étant un instrument de liquidation. Non, je crois que tout bon Guinéen quand même se félicite de la mise en place de la CRIEF parce qu'on souffrait énormément de la corruption. On souffre encore, on souffrait, mais quand même, je crois que Yalo ne souffre plus. Je relativise. Non, il ne faut pas relativiser. La misère s'est aggravée. À l'heure parfaite. Je suis entre le présent et le passé composé. Bien, il faut conjuguer ça au présent. Il faut conjuguer ça au présent. On en a souffert, je crois que ça doit continuer d'être l'instrument qui va rassurer la population et non l'inquiéter. Bien, permettez.